Il est sage de régler avant de mourir ses détails funéraires. Veuillez prendre place, messieurs, dames. Merci. Vous avez un joli bureau. Merci. On peut tout régler ça cet après-midi. Bien sûr. D'ailleurs, c'est très chic de votre part d'enlever ce fardeau à vos proches. Oh, ben, ça... On s'est dit comme ça à quel âge. Et combien ça coûte un fardeau? Ça dépend de vos désirs. Les gens peuvent être incinérés. Et combien ça coûte être incinéré? Vous voyez, les prix sont dans le document. Ah bon? Les gens peuvent être ensevelis. Et combien ça coûte être enseveli? Oui, c'était la page précédente. Ça fait bizarre de parler de tout ça. Oui, les gens peuvent être mystifiés. Et combien ça coûte être mystifié? Et ouais, l'incinération. J'aime pas tellement ça, j'ai peur d'être brûlé. Ah, mais vous ne sentez rien, puisque vous n'habitez pas votre corps. Non, j'habite Orly. Bon, vous voyez, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il y a, l'incinération? Ça te hante et te fait peur? Hein? Ça te hante et te fait peur? Mais non, sa tante, elle me fait pas peur, je la connais même pas, sa tante. Ah, laisse tomber, potiche. Mais comme vous voyez, il ne manque pas de possibilités et de choix. Il y a presque trop de choix, j'en sais même plus ce qui nous convient. Vous imaginez, il y a même des cimetières pour les chiens. Ouais, mais ça, je crois pas que ça nous convienne. Et ça, c'est un autre cimetière, ça? Si, celui-là est très grand, par contre. Oui, il coûte une fortune, oui. Ouais, je peux me faire enterrer avec mon piano là-dedans. Ça, je vous l'accorde. Bon, même si vous accordez le piano, moi, à ce prix-là... Bon, je vous accorde que c'est cher. Et le bon vieux cercueil traditionnel, là? Nous en avons, bien sûr. Regardez derrière vous, il y en a un qui vient d'arriver. Il est encore dans sa boîte de carton. Bon, et combien ça coûte? C'est le modèle de base, ça fait dans les 3500. Ah ouais? Je peux vérifier. Ça ferait combien si je prenais seulement la boîte de carton? Et des cercueils doubles, vous en avez? Ça se fabrique, madame, mais on ne sait pas si vous et votre mari allez mourir en même temps. Ah, mais... Quelle andouille. Et où on peut savoir ça? Angéline, tu te rends compte de ce que tu demandes? Mais qu'est-ce qu'il y a là? On a qu'à aller sur Internet. Ah, mais si vous voulez bien, je... Regardez, moi, j'ai un faible pour les monuments, là, comme ceux-là. Regardez. Attention, Pierre, tu t'emballes, là. C'est ce que je veux, une pierre t'emballe. Celles-ci, bien sûr, sont un peu plus chères, mais ça inclut la gravure. Ça inclut la gravure? Oui, les seuls extras, c'est pour les phrases spéciales, comme par exemple si vous écrivez « c'était une personne charitable ». Et ça coûte combien, l'extra? C'est 100 francs, la lettre. 100 francs, la lettre? On n'écrira pas de phrases... Non, non. Comme vous voulez. À moins qu'il existe un diminutif pour « emmerdeuse ». Bon, et ce serait une pierre t'emballe avec ou sans vidéo? La vidéo sur une pierre t'emballe? Oui, c'est une nouvelle option. Les gens appuient sur un bouton et peuvent voir vos derniers instants. Non, c'est pas vrai. Avec une petite musique et tout, c'est très chic. D'ailleurs, regardez. Pas possible. On a une ici que je vais livrer vendredi. D'accord. Vous appuyez sur ce bouton. Et on voit les dernières secondes de la vie de la personne. Tout à fait, regardez. Chérie? Quoi? T'as mis les chaises de plastique dans la cave? Oui, mais fais gaffe, je viens de tirer l'escalier. Qu'est-ce que tu veux?